Chers amis du Scooter Fan Club, bonjour, nous voici ici au stade du Hesel à l'exposition 2016 Auto Moto. Nous allons parcourir pour vous les quelques allées de ces motos et scooters, vous faire découvrir les nouveautés techniques, les nouveaux modèles, tout ce qui peut vous intéresser pour 2016. Et c'est depuis le stand de Peugeot, la célèbre marque française avec laquelle nous allons nous entretenir dans quelques instants, que nous allons débuter cette promenade au travers de ces allées. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des motos et des scooters, et pourquoi pas vous en offrir un en 2016. Le plaisir du tourisme, ça se fait aussi en scooter. Alors, à tout de suite. En compagnie de Monsieur Peter Vanhoek. Monsieur Vanhoek, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur le stand Sim Peugeot et Suzuki, trois marques d'une réputation qu'on ne fera plus, dont on ne parlera plus d'ailleurs, tellement elles sont connues et populaires. Dites-moi un petit peu actuellement comment se passent pour vous les parts de marché en 2016, ça se présente comment ? Ben, on a de très bonnes perspectives. Hein. Dans toutes les marques, on a des nouveautés. On vient de vivre une année 2015 en croissance. Donc 2016, avec les nouveautés qu'on présente ici, s'annonce assez positif pour toutes nos marques. Oui, elles sont en développement. Quelles sont les machines les plus populaires dans vos gammes actuellement ? Qu'est-ce qui se demande le plus ? Ben, c'est clair que si on parle de Suzuki, c'est surtout la gamme Roadster qui est très populaire, hein, avec des produits comme GSR 750, GSX 6000. Si on regarde les marques scooters en Peugeot, le Django qui a connu son lancement en 2016 a connu un grand succès dans sa première année. Et puis en Sim, évidemment, dans les scooters urbains 125 et plus, Sim reste le leader du marché avec, et est premier dans ces segments-là. En fait, les scooters sont donc voués actuellement un grand avenir. C'est quand même, je crois, au niveau du tourisme, un outil très intéressant. Je vois aussi derrière vous les Peugeot. Moi, je suis un petit peu ravi de voir que ces Peugeot ont gardé une ligne assez pure et assez attirante. Je vois des nouveaux colorés aussi. Est-ce que Peugeot, au niveau marché maintenant, devient très populaire ? Ben c'est vrai qu'avec l'introduction du Django que vous voyez derrière nous, Peugeot a remis dans le marché un produit qui vient de l'émotion. Hein. Donc l'émotion, c'est vraiment la langue de design que Peugeot adopte aujourd'hui. Et avec ce genre de produit, évidemment, nous attirons une nouvelle clientèle dans des nouveaux segments avec le Django aujourd'hui. C'est clair. Nous voici en compagnie d'un monsieur très sympathique, Thomas Van Outrief, qui est le responsable du marketing et public relations pour les motos et les scooters de chez Suzuki, Sim et Peugeot. Nous allons nous intéresser à monsieur Van Outrief. D'ailleurs, je vais l'appeler Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir avec notre émission. Et encore une fois, le spécial fan club du scooter chez nous s'intéresse beaucoup à toutes vos machines, notamment ici, vous êtes sur une machine Sim. Exactement. C'est un Sim Joymax 125 Sport. Le Joymax, c'est notre modèle le plus populaire. Et le Sport, c'est une version plus sportive. Il y a une bulle plus basse, coloris un peu sportive, un striping. Et c'est un modèle qui s'est très bien vendu en 2015. Et on a ajouté une couleur supplémentaire cette année. Quand on parle d'attirance d'une machine comme ça, quelles sont les questions en général que vous pose l'acheteur ? Est-ce que c'est la technique, le modèle, la couleur ? Qu'est-ce qui fait l'attirance d'un modèle ? C'est différent marque par marque. On voit chez Sim que c'est souvent des questions très pratiques, questions prix, questions fiabilité surtout. Pour répondre à cette question, en 2016, on a lancé une garantie supplémentaire donc de 5 ans sur les machines 125cc et plus et 3 ans sur les 50cc. Donc pour montrer qu'on croit bien dans la fiabilité de nos véhicules Sim. Plus la garantie est longue, plus on sait que c'est fiable. Est-ce qu'on peut retrouver beaucoup de points de vente de ces différentes machines ici, notamment en Wallonie ou même en Flandre ?
Oui, bien sûr. Si j'ai bien compté, je pense qu'on a 120, 130 distributeurs dans la Belgique. Vous les trouvez facilement sur notre site sim.be. Donc, où vous trouvez soit la gamme 50cc, la gamme 125 ou même les maxi scooters de 600cc. Est-ce que 2016 sera une année favorable aux scooters? Est-ce que la saison de 2015 a favorisé justement la vente de ces machines? On a passé une très bonne année 2015, donc depuis 2009, 2015 a été la meilleure année pour toutes nos marques, non seulement pour SIM, mais également pour Peugeot et Suzuki, donc on a beaucoup de confiance pour 2016, oui. En tous les cas, de la manière dont vous nous recevez, je crois que la confiance s'est installée et que nous aurons probablement des surprises à proposer à nos téléspectateurs de TV Wallonie et de notre fan club du scooter. Alors je vous remercie de votre accueil et encore une fois, plein de bonnes choses pour votre marque. Et si vous aviez le mot de la fin, vous me diriez quoi au sujet de vos machines? Oui, merci de m'avoir accueilli et d'être si enthousiaste de nos marques. Et j'espère de vous voir en masse en 2016 dans nos réseaux. Et on collaborera certainement. Alors voilà, pour nos auditeurs de TV Wallonie, je fais un petit clin d'œil, la caméra s'en vient vers moi. Le petit clin d'œil est fait, vous voyez qu'ici, SIM, les machines sont superbes. Un service de garantie de 5 ans, vous avez Peugeot et vous avez Suzuki, ben il vous reste tout simplement à vous informer au mieux possible. Mais on est ici en confiance, alors à bientôt.